Deux points d'écart seulement entre Reims 10e et Lorient 8e. Des Rémois qui restent sur une victoire 2 à 0 à Rennes. C'était le premier succès de la saison pour le Stade de Reims. Van Bergen et Ekitike sont titulaires, soutenus par Kebal, Foket et Conan notamment. De belles possibilités pour les Rémois d'enchaîner face à une équipe de Lorient qui a remporté deux matchs cette saison contre Monaco et contre Lille, mais c'était à domicile. Les Merlus sont souvent plus en difficulté à l'extérieur. Ils vont tout de même compter sur leur duo qui fonctionne bien en attaque, Mofi et Lorienté. Première attaque pour Reims. Le centre légèrement en retrait. C'est dégagé. Le ballon est très mal boxé par le gardien de but de Lorient, Paul Nardi. Il s'est fait peur. Le ballon part de l'autre côté vers son but. Mais un défenseur était là pour le suppléer. Reims continue à montrer quelques bonnes actions dès le début de la partie. Un dribble, un ballon donné en retrait pour ce tir à côté. Un mouvement plein d'enthousiasme, mais le cadre n'est pas trouvé par Marshall Mounetsi, le Zimbabwéen. Mounetsi au duel, il est battu, mais ses coéquipiers suivent. Avec cette belle frappe de Justin Conan, l'international ivoirien a effectué un bien meilleur tir que les précédents. Mais il est mis en échec par Paul Nardi. Les joueurs d'Oscar Garcia sont clairement mieux depuis le début du match. Et Lorient a du mal à se trouver, mais pourquoi pas un bon mouvement pour les Bretons. C'est très bien fait avec cette balle sur le côté. Rajkovic réussit à s'interposer face à ses adversaires, et notamment face à Oboulang Mendes, monté de la défense. À la mi-temps, personne n'a réussi à marquer. Lorient tient pour l'instant un point du nul très intéressant vu le nombre d'opportunités rémoises. Et en seconde période, c'est à Reims de continuer comme cela pour obtenir le deuxième succès de la saison, la première victoire à domicile. Lorient attaque dès le début de la seconde période. La percée de Lorienté pour Terem Mofi s'est interceptée, mais Lorienté récupère la balle. L'action se déroule bien. Igor Silva pour le tir. Rajkovic sauve son équipe. Très bonne tentative d'une des recrues lorientaises cette saison. Le latéral brésilien a trouvé une solution, a trouvé de l'espace. Rajkovic était bien là, comme souvent. Nouvelle attaque bretonne. Les Lorientais sont mieux dans la seconde période. Avec un nouveau tir de loin pour Thomas Monconduit. La parade du pied de Rajkovic. Une parade peu académique. Et elle permet quand même de sauver son équipe. Reims a eu un début de seconde période difficile, mais va de mieux en mieux et trouve ici un bon espace. La chance de pouvoir marquer le but, ça passe à côté. Un bel effort pas récompensé pour Van Bergen. Le chronomètre tourne en faveur des Merlus, en train d'obtenir le point du nul à l'extérieur. Christophe Pélissier voit que son équipe, après avoir eu un bon moment, souffre de nouveau. Il faut tenir jusqu'au bout et Reims insiste dans les derniers instants. Une balle dans la surface avec le centre à la reprise. À bout portant, c'est à côté. Énorme opportunité de marquer le but de la victoire. Mais trop de maladresse dans ce match empêche de voir le moindre but. 0 à 0 entre Reims et Lorient.